must travel on to nowhere, nowhere. Even when we were kids, we stood alone. All the things that we tried just never mattered. They all shattered, so we packed up and moved on. Change your mind. How far down that road you've gone, a long way from the first day when you picked up that gun. Turn the tables around. That good life can be found. You've got to be Trinity. Eh bien bonjour. Alors, on va jouer à Slaps and Beans, qui est un projet Kickstarter que j'ai backé il y a quelques temps. Où es-tu, OBS? Tu es là. Et comme je l'ai backé, bah, j'ai le droit à une clé en Early Access. Et je vais pas me gêner pour y jouer, parce que... Terence Hill et Bud Spencer, c'est un petit peu mon enfance. Hein. J'ai regardé énormément de films. Ouah, c'est fort dans mes oreilles. Il me suffit de faire ça. Il est super mon casque pour ça. Ok, ok. Ouais, donc j'ai regardé énormément de films de Terence Hill et Bud Spencer. Ça m'arrive encore d'en regarder. Alors j'ai testé le jeu pour voir si ça marchait et tout. C'est qu'un seul Terence Hill. Ouais, je pense que Terence Hill et Ben Spencer, c'est très générationnel. Je sais pas s'il y a d'autres exemples. Genre Twilight, je suis pas sûr si dans... Pour les jeunes qui étaient là, qui ont vécu le phénomène Twilight, ça va les marquer, mais je suis pas sûr que dans 20 ans, les jeunes auront vu les Twilight et tout ça. Et je pense que Terence Hill et Bud Spencer, faut vraiment avoir vécu l'époque pour les connaître. Puis bon, c'est quand même des films... c'est pas pour tous les publics, quoi. Enfin, c'est plus pour garçons, déjà, quoique...
Autant Harry Potter, je pense que ça va marquer, que les générations suivantes vont continuer à regarder. Autant Twilight, je suis pas sûr. C'est prêt, j'ai faim. Alors, logiquement, je devais participer à la traduction, enfin à la correction de la traduction, mais ils m'ont jamais rien envoyé, donc je pense qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Donc on va voir comment ça a été traduit. Et comme ça, vu que si jamais ça a été mal traduit, je pourrais gueuler vu que j'ai pas participé. Tu sens cette délicieuse odeur, c'est à peu près pas, c'est ma recette secrète. Déjà, je crois que secrète, l'accent était dans mauvais sens, j'ai passé vite. Le point d'exclamation tout seul comme ça, là, c'est pas bien de faire ça. Faut aller mettre un espace insécable. Vous êtes qui? C'est un repas, juste pour nous. Voilà, c'est un peu de la critique. Juste pour moi. Garde-le, on est là pour vous, attrapez-les. Attends, où est l'urgence? À moins qu'ils ont dû avec. Enfin, où est l'urgence? J'aurais mis, y a rien qui presse. Ouais, les groupes de musique aussi, ouais. Genre Tokyo Hotel, j'ai l'impression qu'ils ont complètement disparu de la circulation. Je m'occupe du gros. Et tu vois pas qu'il fait de son mieux, fait au moins semblant d'éviter. Alors je sais pas si ça va être très axé humour comme les. Ok. Ouais, puis ça se trouve, ils ont complètement changé de look. C'est genre, on les voit dans la rue, ça se trouve, on les verra pas. Bon, là, on est clairement dans. Bah, en plus, c'est la musique de Trinita. On est très. Je sais pas comment, s'il y a une histoire au jeu. Parce que bon, Terence Hill et Bud Spencer, ils ont fait des westerns. Mais ils ont aussi fait des films qui se passaient à notre époque, ou du moins à l'époque contemporaine, quoi. Dans les années 80. Donc là, on est clairement dans l'époque Trinita. C'est même la BO de Trinita. Et je sais pas s'il y a une histoire et comment ils vont raccorder le fait qu'on passe du western à. Alors, Slaps and Beans, on pourrait traduire ça par des baffes et des faillots, ce qui résume très bien l'ambiance des films de Terence Hill et Bud Spencer. C'est plutôt un bon titre. Ah, le générique est court. Pas eu grand monde sur le jeu quand même. Oui, ça c'est Trinita, les deux filles vont se faire agresser. Pitié, nous n'avons rien, nous avons juste. Trinitas doit être. On l'appelle Trinitas, doit être le film le plus connu du duo. Moi j'aimais bien Deux Super Flics. Mira Drogo cherche une femme, c'est votre jour de chance. Cet homme visqueux, je suis pas sûr que je l'aurais dit comme ça, moi. J'aurais même dit ce porc, un truc comme ça. Après, peut-être il aurait fallu regarder ce qu'ils ont mis dans le film. Ça se dit pas, un homme visqueux. Qu'est-ce qui se passe ici? Je dirais que c'est le monsieur dérange ses adorables demoiselles. On dirait oui. Peu importe, j'ai faim. Vous avez faim? Mira Drogo va vous dévorer. Pourquoi je tombe toujours sur les plus idiots? Partez les filles, on va s'occuper de ces messieurs. Vous récupérez votre chariot plus tard. Bah de rien. Bah ça, on est très dans l'esprit. Je te mets une baffe, je t'enlève ton pantalon, je te mets une baffe. C'est quoi l'attaque lourde? Vas-y, moi je veux ça. Les baffes. Alors Terence Hill, avant d'être acteur, c'était un grand gymnaste, enfin un gymnaste italien, ce qui peut se voir à son allure, hein. Mais Bud Spencer, c'est peut-être moins évident, mais c'est un champion de natation. C'était plutôt un bon champion, hein. Il avait le record d'Italie sur une certaine distance. Mais après sa carrière de sportif, il a un petit peu. C'est un petit peu laissé aller, Bud.
Il s'appelle pas du tout Bud, hein, il a un nom italien là, comme Terence Hill. Ah oui, d'accord, je suis en train de faire des super attaques, c'est ça. Et ça, c'est des attaques normales. Ok, et ça, d'accord, ok. J'ai une... Salut Dolce Vita! Ah! Ah, j'ai pas vu de mode pour jouer à deux en ligne. Et ça, c'est dommage. Après, le jeu est en early access, alors je sais pas s'ils vont rajouter ça plus tard. Zut, le pont s'est effondré. Pourquoi ça tombe toujours sur nous? On doit trouver un moyen de traverser de l'autre côté. Tu t'es sauté, tu oublies. Non, c'est trop loin. Je peux essayer de grimper sur cette poutre. Non, c'est trop, j'ai besoin d'un appui. Ok. Jamais le bouger. Ah, mais il y a Bud. Ah, d'accord. Cool. Voilà comment on répare les ponts. Ah, j'ai vu que Bud Spencer, lui, quand les ennemis qui sont à terre, il peut les ramasser et les balancer. Je sais pas c'est quoi un peu les attaques de... Ah d'accord, je peux faire du saut de mouton avec les ennemis avec Terence Hill. Ah là, le bruitage, c'est vraiment un bruitage de... des films de Terence Hill et Bud Spencer, hein, cartoonesque. Y'a jamais rien dans ces trucs. Tiens. Dans ta tête. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas fait... Regarde, le saloon. Jumbo. On comprend enfin ce qui se passe ici. Ouais, je suis pas sûr que ça soit bien. Et bagarre de saloon! Moi, je veux une bagarre de saloon, moi, tiens, tiens, je te... Fais chier, d'accord, bon, ils veulent pas. Vas-y, bagarre de saloon, là! Tiens! Toi, tu triches, toi! Pas déjà vu. Bonjour. Ah. Emilion, je peux te poser une question? Bien sûr, il est allongé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Honnêtement, après avoir vu ton sourire, j'ai oublié ma question. Tu es amusant, je t'aime bien.
Comment une aussi jolie fille que toi peut travailler ici? Ce village ne semble pas un coin très sûr. Le shérif ne fait pas respecter la loi et l'ordre. Je devrais pas le dire, mais depuis quelques mois... Arrête de poser des questions et dégage! Bah voilà. Quoi? Je dois faire quoi, là? Ok, j'ai pas compris. Arrête ça, on a déjà vu ça avant. Eh, ce sont les deux types dont le shérif a mis les têtes à prix. Mais non, pas nous. Voilà, tu attires toujours l'attention. J'ai rien fait du tout. Allez! Tiens, qu'est-ce que tu fais avec ta chaise, toi? On a mis un coup de chaise, lui. Tiens! Pas mal efficace, les baffes, là. Bob, tu te fais un petit peu infiniser là. Je peux taper Bud? Non. Merde, j'aurais dû la laisser. Oula, 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 oula. J'ai même pas vu si on avait plusieurs vies ou... Je sais pas ce qui se passe quand Bud va... Merde, j'aurais dû la laisser à Bud. Ah, je peux ramasser deux. Foutez le camp si vous voulez pas. Ouais, c'est possible. Après, c'est peut-être un jeu qui a été optimisé pour jouer à deux. Ok. Mais j'appuie sur triangle, je dois faire quoi là? Ah d'accord. C'est pas sur triangle, c'est sur... Ok. Voilà! Pourquoi il y avait écrit triangle alors que c'est carré? Mon héros, tu m'as sauvé, c'est quoi ton nom? Trinita. Mon nom est personne. Ouah. Non, son nom est idiot. Comment je peux te remercier? Fuis avec moi, je vois. Qu'est-ce que c'est que ce dialogue? On a besoin d'informations. Information, j'aurais mis un S. Ta mission secrète. Afin de retrouver une arme volée par... Oui, heureusement, je ne peux pas dire ce qu'on est venu faire, ni pour qui on travaille. On travaille. Oh, il y avait une faute, là. Mais fais-nous confiance, on est en mission spéciale pour le gouvernement. C'est le bandit ont apporté, c'est encore c'est le verbe avoir, ça s'accorde pas. Ah, ils ont pas voulu de moi, hein. Encore vous? Des baffes, moi.
Tiens, regarde. Tiens, prends ça, bud. Voilà. Oh, ça... Dis donc, la bière, c'est full life. En fait, c'est soit il doit y avoir qu'une vie, mais pas mal d'objets de régène. Ah oui, attends, je pouvais en ramasser deux, apparemment. Ça va être marrant, ça. Ouais, c'est... Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, ouais. Par contre, Bud a mis plus de points que moi. Qu'est-ce que j'ai fait avec le... J'ai balancé la chope en l'air, mais je l'ai pas rattrapé, un truc comme ça. Ah non, c'est kill. C'est kill. Comme se passe-t-il, quoi. Enfin, c'est... Pourquoi je la balance, là? D'accord, il est sur la table et il réagit pas. Bon... Oh, ça, ça va finir, ils vont faire par la fenêtre, ça. Oui, à peu près, ouais. Ça a l'air frère pour toi. C'est rien, je t'aurais tapé dessus pour en être sûr. Oula. Ah voilà, je m'en doutais que ça allait finir comme ça. Les fameuses scènes de... où c'est que vous faites passer tout le monde par les fenêtres. J'attendais toujours ça, moi, quand j'aurais des films de Tarantino et Bud Spencer. Y a pas d'action, c'est juste des mecs qui passent par la fenêtre. Avec des bruits de baffes. C'était marrant, ça. On l'a infinisé. Mac Boss Spencer, eh, dis donc. En fait, il doit plus utiliser ses super attaques. Ok, je vais vous payer.
Ok. Comme. Et où croyez-vous aller comme ça? C'est le shérif, il a une étoile. La salle de bain. Ouais, c'est pour ça que je me demandais si on pouvait faire des trucs à deux, des attaques à deux. Après, c'est le premier niveau, donc. Ils sont pas très réactifs. Il n'y a pas de shérif ici, il n'y a que Zul. Sortez ici, les clodos. C'est pas très. Des dialogues de Terence Hill et Bud Spencer, ça. Ah, j'ai loupé. Ah, d'accord. Ah, j'en ai loupé un. Bah, je pense qu'on peut déjà jouer à deux sur la même machine. Ah, j'ai loupé. Oh, merde. Je suis en train de perdre toutes mes vies. J'espère qu'ils vont en mettre mode en ligne, quoi. Ah merde, oui, d'accord. C'est chaud. Moi, je peux taper des gens, moi. Je peux pas faire de la précision. Ah. Ah, le dernier. Je suis mort. Je reviens où? Ça me remet où? Ouah, ça remet au début. Ouah. Peut pas passer. Ah, ça y est, d'accord, c'est bon. Ah, d'accord, ça, ok. J'ai même pas utilisé la parade. Oh, c'est quoi cette parade? Vas-y, on l'a fini, vas-y, vas-y, vas-y. Bah sur Steam, Slaps and Beans. Des bœufs et des faillots. Et des haricots. Mais dans les films, ils se traduisaient souvent pour faillots, qui était plutôt pas mal comme.
Ouais. Ah, je l'ai pris trop tôt, c'est pas grave. Pas mal ce coup de pied là. C'est plus rapide des baffes là. Ah d'accord les... Je bouffais la vache. Je sais pas s'il sera long le jeu. Je sais pas combien de films ils ont adapté dans le jeu quoi. J'ai vu qu'il y en avait des périodes. Une période plus récente quoi, enfin un film qui se passe à notre époque. Enfin à l'époque de Terence Hill et Bud Spencer dans les années 80 quoi. Pourquoi ils ont pu faire des films dans les années 90 aussi? Je me rappelle pour leur dernier film ensemble, ils avaient été invités sur le journal de TF1, interviewés par Claire Chazal. C'était populaire à l'époque quand même, hein. Là, ça s'est mieux passé pour Bud. Salut Bloobs. Tout à l'heure Bud il s'était fait infiniser, là ça va. Ah merde, je suis en train de... Alors celui-là j'avais bien réussi tout à l'heure mais... Ok. Ouais, celui-là il est facile, l'autre il est plus rapide. Peut-être qu'on peut les faire, mais que je sais pas les faire. Tiens, il y a... Ah, bah voilà. Oh non, c'est vraiment simple, hein. Abandonner, à mon avis, c'est pas abandonner. Ah si, peut-être. C'est vrai qu'ils auraient pu en mettre des chopes. Façon Street of Rage et viens prends tes baffes toi. Ah, on va s'amuser là. Ah non, c'est pas là.
Ok, en fait les... Tiens, je sais même pas comment j'ai fait ça. La bière, ça redonne la vie. Et les faillots, ça redonne du bleu, je crois. Ah ouais, voilà, c'est là. Bon vieux mâchage de boutons. Ah, j'ai réussi à rattraper Bud dans les points. En fait, c'est les torgnoles, ça me donne plein de points. Je fais saute mouton sur les moutons, mais je suis sur les ennemis. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Ça, ça sert. Ça va être là? Non, encore l'autre. Je me rappelais pas qu'elle était aussi longue cette phase là. Ah, il m'a redépassé en point là. Bon, en fait c'est les combos qui... Voilà, c'est là que j'ai perdu tout à l'heure. Ah bah c'était simple. Ah bah il est sorti hier hein. Après je sais pas si ça les vaut les 20€ vu que j'ai pas je commence juste quoi. Merde j'ai pas lu ce qu'il y avait. Eh oh. Ah. Le shérif s'est enfui vers la gare. Ok. Il y a deux chevaux là à mon avis. J'ai dit à tout le monde que vous êtes des héros en mission secrète pour le gouvernement. Oui, très secrète. Ce sont nos chevaux les plus rapides. Attendez cette crapule et faites-le payer. He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Don't you bother to... Ouais, c'est les vraies musiques des films de... Terence et Bud Spencer. Niveau terminé! Est-ce qu'on passe à une autre époque? Est-ce qu'on change de film? Est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est la fin de l'Early Access? Ok, le train. Ah ouais, c'est le thème dont m'appelle Trinita. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 niveaux. Je sais pas si c'est le jeu en entier ou... juste la période Far West. Ok. Ah ça c'est le genre de niveau que j'aime pas ça. Voilà. Facile.
J'ai vu qu'il y avait une cinématique qui ressemblait à un passage de... Attention, on va se fâcher. Oh merde. Comment je m'en débarrasse de ça? Ok. Quoi, c'est genre de boss? Ah oui, d'accord. Oula, 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 oula. Attention là par terre. Bah bien joué, Bud. Ah, ce qui est dommage, les combos en multi, c'est que pour l'instant, c'est que du... C'est que des petites baffes comme ça. J'aurais préféré qu'il y ait plus d'attaques... Ok, il y a Bud qui est en train de bugger là avec le billard, il n'arrive pas à... Ah, je peux me planquer, d'accord. Ah. Ah, d'accord, ok, 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 j'ai compris, j'ai compris. C'est où je dois tirer, là? Ouais, c'est vrai que les noms des sociétés, ils ont... Tu sens que c'était pour ce jeu-là, quoi. Et que si ça se trouve, ils vont pas en faire derrière. C'est sur la... l'arme ou sur... Ok, il faut que tu... Ah merde! Ok. Est-ce que ça finit Trinita, ça, ou c'était juste... Studio. Ah. Vous êtes très très bien pour votre tout premier film. Ouais, en fait, ça raconte... c'est comme ça qu'ils vont... Ok. Ça raconte l'histoire de Terence et Ben Spencer et leur carrière. Et c'est comme ça qu'on va passer des films aux autres. Ah, c'est pas con. C'était très bon pour leur tout premier film. C'était pas leur tout premier film, hein. On l'appelle Trinita. Ils avaient fait Dieu pardonne-moi pas, qui n'était pas une comédie. D'ailleurs, ah, ça doit être... Comment il s'appelle, lui? Justement, c'est le type qu'on a accusé d'avoir tué les Western Spaghetti parce qu'il a fait On appelle Trinita. Ouais, ouais, je peux avoir mon argent maintenant. Bien sûr, vous la méritez, moi, sans son fier, vous attendez au bureau de nos chèques. Ah, Sophie, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y.
Ce film sera un succès. Oui, un succès, quoi d'autre. En plus, le titre Slap and Beat ressemble plus à un nom de jeu vidéo. Et t'as entendu ça? Mademoiselle Sophie est au revenez demain. Ouais, ouais. Dans ce bruit, elle pourrait être en danger. Dégagez et laissez avec un L apostrophe. Ou sinon. Ou sinon on va se fâcher. Là c'est bien. C'est bien parce que c'est le titre du film en français. Et je suppose que... Parce que le titre anglais c'est Beware, we're getting mad, un truc comme ça. Je suppose qu'en anglais, Enzo Barboni, ouais. Qui a été accusé d'avoir tué les Western Spaghetti, mais bon, le genre était déjà pas mal. Il a même donné une sorte de second souffle. Même si les critiques n'aimaient pas trop les films comédies comme ça. Ouais, donc je suppose que le traducteur, il a compris que la réplique c'était un titre de film. Et il a réussi à incorporer le titre français dans le... Ça c'est pas mal, ça c'est bien joué ça. Ça c'est un bon boulot de traduction, bien joué. Ça sert à quelque chose de monter sur le bureau? Merde, c'est pas grave. Je vais te dire ce qu'il se passe, ils ont enlevé. Par contre, ça fait deux fois là qu'ils accordent avec le verbe avoir. Et ma fiancée. Ta fiancée, elle a encore jamais parlé avec toi. Les mots ne sont pas importants. Salut Dolce Vita. Après le casting, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a souri. On doit trouver le réalisateur et lui expliquer ce qui est arrivé. Ok. S'est caché, il a couru vers la droite. Oui, chef. Non, bien chef. Non, dans le bureau à droite. Ah, t'es idiot. Pourquoi c'est un savoir libre? Attrapez-le, on ne s'occupe pas de ce maudit réalisateur après. Ben, c'est marrant, ça. Ça sert à rien, mais c'est marrant. D'ailleurs, une partie de l'argent du Kickstarter, ça allait principalement dans les musiques des films. Hein. Ils avaient détaillé comment ils allaient dépenser l'argent. Et les droits, ça coûtait cher. Pourquoi je balance ma chope quand il y a le vrai? Ah merde. Ils sont partis?
Oui, vous allez tout nous expliquer. Ils ont enlevé Mademoiselle Sophia et la moitié des gens sur le plateau étaient des complices. Notre argent, ils nous l'ont enlevé aussi. Pourquoi je suis... Voler ? Il faut dire voler pour ça. Moi aussi, les sentiments, c'est un enlèvement pour moi. Je peux partir ? Non. D'accord, je vais dire tout ce que je sais. Ce film, la disposition et toute l'équipe ont été financés par un certain Tango. En échange de cet argent, il a imposé deux conditions. Il a choisi mon assistante, la fille enlevée et toutes les autres personnes qui ont travaillé sur le film. Il voulait aussi choisir les acteurs des rôles principaux, mais ils ne sont jamais venus. Alors on vous a pris vous. Ce Tango donne d'abord l'argent, puis finit par l'enlever. Apparemment, ils sont plus intéressés par la fille que par l'argent. C'est toi le seul qui t'intéresse à elle. Donc on doit retrouver ce Tango. Monsieur le réalisateur, vous avez une idée? Je peux pas le trouver. Il y a une course en ville aujourd'hui. Monsieur Tango va remettre en main personnellement le prix au vainqueur. Ah, une course de buggy! Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons gagner cette course. Si c'est ce que je pense. On n'a pas de voiture pour y participer. Pas encore. Ah, il y avait encore une grosse faute, là. À propos de ça. Ah non, c'était pas de... Laisse-moi faire. Salut! Stop! Seuls les pilotes peuvent entrer. Nous sommes pilotes. On est ici avant la prochaine heure avec vos voitures. Bien sûr, peut-être pouvons-nous faire un tour d'essai sur la piste en attendant. Je vais perdre patience. Revenez avec voiture maintenant. Revenez maintenant, disparaissez. D'accord, ça s'est pas passé comme prévu. Ah vraiment? Si, 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 enfin c'est pas un buggy, mais... Ça va les Blozaï, vous voulez participer à la course sans voiture? Tu vas voir, on va s'arranger. Vous êtes qui? On est les pilotes choisis par Tango, gagnant les trois derniers championnats. On se remarque, on... Ah bah moi je pensais qu'on allait les taper et leur piquer leur voiture. Vas-y, on la vole. Tu penses à ce que je pense? Et vous n'avez rien à faire ici. Je crois que si. Allez, des petits bruitages là. Voilà. Ils étaient pas si méchants au final. Ils ont même laissé leur voiture. Leur voiture avec un S? Ah si, oui, il y en a deux. Ouais, il suffisait de leur demander gentiment. Parfait, on est prêt pour participer à la course. Je suppose qu'il y a deux voitures. Voilà. Bah, le fil complete, j'ai un peu juste... Ah, quoi que non, c'était pas fini. La course. Ah, j'avance vite dans le jeu. Je sais pas s'il y a une autre map après, mais... Chargement, pourquoi tu bloques le chargement? Ouah, ne réponds pas. Ah, ça m'a fait peur. D'accord, mais on pilote comment? Ouah, c'est chaud. Ouah. Ok, je pense pas que je vais la gagner tout de suite, la course. Hein. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Ouais, et puis mon PC il aime pas. Salut mademoiselle Héloïse.
Ah, je viens de passer, mais j'ai pas fini le tour. Ah, ça va être comme Trackmania, je vais jamais réussir à me repérer. Ouah, c'est chaud. Quoi, c'est que c'est... Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Ah si, ok. Ah mais ils sont loin là. Ah ça doit être un raccourci ça. Ah c'est Tim. Je suis passé 7ème. Ok, je commence à un petit peu comprendre le truc. Ah mais ce passage là il aime pas mon PC. Ok. Oula 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 oula. Ah non mais il aime pas du tout là. Eh hey, mais... Oh là là. Alors je disais, je commençais à comprendre, j'ai passé 2 heures pour... Bah c'est chaud. Ah merde. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde, j'aurais dû... Waouh. Fait n'importe quoi mon PC là. Oh là là. Mais arrête. Ah. Oh là là.
Ah, mais ce passage là, il est affreux. Oh, c'est pas terrible comme mon coup, c'est ça. Je suis encore plus loin que tout à l'heure. Waouh, mais c'est chaud. Oh mince. Ah, je l'oublie un raccourci là, je l'oublie à chaque fois. Waouh. Ouais, non, ils disent pas. Oh. Oh, mais quand... En plus, y a pas de map, je sais pas... pas où ils sont les premiers quoi, ils doivent être super super loin. Oh mais c'est infaisable. C'est infaisable. Est-ce que ça serait un souci encore de gâchette trop sensible? Oh merde. Ouais, peut-être Octavier, j'étais en train d'y penser. Au moins, on peut essayer, quoi. Oh. Vas-y, vas-y, c'est bien, là.
Ah mince, je croyais que c'était la ligne droite. Ah mais dès que je suis parti à... comment c'est au clavier? Est-ce que je peux faire... Ok. Alors j'ai mal démarré mais j'ai l'impression de mieux maîtriser. Je reste plus sur la route. J'ai l'impression que c'est un peu plus jouable au clavier. Bon ça se voit pas là hein, mais... Ça tourne moins violemment avec le clavier qu'avec la manette. En fait, ça doit être le pad analogique qui est trop sensible. Ah, mais là... Ça va être un coup à prendre. Hein. Mais tu te prends un obstacle, c'est foutu, hein. Ah, mais non, c'est pas si... Ouah, c'est un... Je vais essayer à la manette. Voilà, ouais, c'est ça, en fait. Le pad est beaucoup plus sensible... Ouais, c'est vrai que la musique... Ouais, il y a des fois, j'y arrive bien. Ouais, puis là, c'est pas comme Mario Kart, hein. C'est... ils sont partis, hein, tu les revois plus. Ah, mais... Alors j'espère qu'ils n'ont pas pensé que c'était un passage facile du jeu, ça. Enfin, je regarde sur les commentaires du jeu s'il y a des gens qui parlent de... Ah, merde. De cette phase. S'il y a trop de gens qui gueulent, ils vont peut-être, la, je sais pas, la modifier ou... Ouais, il y a quelque chose que je fais mal, hein. Déjà, me prendre te... Ce qui est chiant, c'est que si tu touches une boîte de foin, la course, elle est quasiment perdue, quoi. Ah, j'ai gagné une place. Mais arrête de tourner comme ça, là. Pourquoi tout d'un coup, tu... Ah déjà je suis pas bon sur les jeux de voiture mais si en plus
si tu te prends le décor, t'as perdu la course. Mais en plus, c'est que les. En début de course, quand il y a toutes les voitures, c'est chaud quoi de pas prendre le décor parce que. Ils t'envoient. Bah justement, ils t'envoient dans le décor les voitures. Ah merde. Voilà, alors voilà, là, je me suis pris. Et impossible de se remettre droit. Je sens que je vais faire 2 ou 3 essais, mais si j'y arrive pas, j'arrêterai là. Hein. Ah ! C'est vrai que je l'oublie à chaque fois celui-là. Ouais, mais bon. Ah, faut absolument qu'il fasse quelque chose là pour cette partie. Ah, ça m'étonne pas. Après, je sais pas, ça se trouve, ça a été optimisé par pour une manette Xbox et puis jouer à la manette PS4, un truc que. Je trouve c'est une connerie comme ça, j'en sais rien. Waouh! Ouais, par contre, ouais, si les voitures se stoppent comme ça, c'est cool! J'ai l'impression que les voitures ont une barre de vie, un truc comme ça. Ah, c'est dommage que ça soit vraiment infaisable, quoi. Ça partait bien, le jeu, quoi. Bon, c'est un beat'em all classique, hein. Y a rien d'extraordinaire, mais... C'est marrant, quoi, de... mettre des baffes aux gens sur le... avec l'ambiance de Terence Hill et Bud Spencer. Mais là, vraiment, ça donne envie d'abandonner le jeu. Hein. Est-ce que c'est le genre de course qui est plus facile à l'envers? Ben voilà, en fait, faut la faire en marche arrière. C'est beaucoup plus contrôlable en marche arrière. Bon, après, c'est pas rapide. Ah ouais, par contre... Ouais, j'ai l'impression que les voitures ont une... Il y en a quelques-unes qui abandonnent, quoi. Faut la jouer comme ça? Oula, 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 oula. Ah non, mais là, c'est le PC qui... Oh, j'ai trouvé la strat, quoi. Je le tente. Juste pour voir si... une distance en début de course, si je le fais en arrière. Ah merde. Ça se trouve, si tu prends tous les raccourcis, il y a moyen de...
Ouais, je mets autant de temps à faire le circuit en marche arrière qu'en marche avant. En marche avant, je faisais pas pareil, je faisais des 2 minutes 30. Ah bah oui, ça c'est cool ça. S'il pourrait y en avoir 7 autres comme ça... Il est aimanté par les bottes de foin une fois que tu les touches. Oups là. Oh là là. Bon, je crois que je vais arrêter là, parce que j'arrive pas. Ouais, je pense pas que la marche arrière elle est trop lente pour en finir premier, quoi. Bon, je pense que je m'entraînerai sur cette phase. Et une fois que je l'aurai passé, je continuerai. Je vais m'arrêter là. On va aller voir ce qui se passe dehors un peu. En tout cas, merci d'avoir suivi. Moi, je trouve le jeu cool. C'est juste dommage qu'il y ait cette phase-là. Tiens, j'avais mal placé mon chat. J'avais pas vu ça. Ah non, c'est que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais grossi, le chat? Ah ouais. Ah, j'avais pas vu ça. Bon, pas grave. Ah, je voudrais bien quand même essayer de le continuer, mais il va falloir que je m'entraîne sur cette phase-là, au moins réussir à arriver premier une fois. Une fois que ça sera passé, ça... après, je sais pas, ça se trouve, il y a d'autres phases comme ça après. Bon, je m'arrête là, et on reprendra plus tard, ou je sais pas, peut-être que je jouerai autre chose. Salut !